Et le tonde, alors aujourd'hui je retourne pour une vidéo, je vais enlever mon gilet parce que j'ai super chaud. Pour une vidéo qui sera exceptionnellement un jeudi, parce que cette semaine je n'avais pas de vidéo. Et je vous filme le haul, du coup la veille, donc on est mercredi, sauf qu'il est déjà 4h et j'ai pas envie de vous la mettre à 18h, ouais, ça c'est plus le dimanche. Du coup je vous la mettrai donc aujourd'hui à midi pour vous. Et dimanche vous aurez une autre vidéo, par contre après je peux pas vous certifier, ça sera. Ah si, normalement il y aura les produits terminés, ça c'est sûr, donc vous aurez au moins une vidéo mercredi prochain aussi. Après on verra bien ce qui se passera, parce que j'ai pas d'autres vidéos d'avance. Voilà. Attendez, hop. Du coup, je vous ai même pas dit pourquoi on était là, on est là pour le fameux haul des vacances, voilà, pour une fois, il sera mis quasiment tout de suite. Alors on va commencer par Stokomani, tout simplement parce que j'ai racheté une boîte surprise. C'était je crois 7 euros il me semble, il me semble que c'est ça le prix. Donc ça la dernière fois j'en ai déjà ouvert une et j'avais été quand même plutôt ravie de ce que j'avais eu dedans. Voilà, vu que bah, vous doutez, impatiente, curieuse, du coup, ouais, je vais commencer par ça. J'aime bien la boîte, déjà. Bah, l'autre, elle me sert comme boîte de rangement. Ça aussi, ça me servira comme boîte de rangement. C'est très pratique. Et du coup, on va voir ce qu'il y a dedans. Donc, il y en a pas mal de sortes. Oh! Il va y avoir des petits trucs sympas quand même. Donc, tout d'abord, on a un conditionneur, un masque intensif, pardon, réparation miracle de John Frieda. Un petit format comme ça pour une seule fois. Ça, forcément, j'aime beaucoup. C'est que je fais des masques une fois par semaine. Donc, super cool. Ensuite, on a un mini shampoing Schwarzkopf, cheveux extrêmement abîmés, secs, en format 50 ml. Bah, ça va aller direct dans la salle de bain. Ça sort toujours en plus. Schwarzkopf, c'est pas une marque que j'ai beaucoup testée. Donc, c'est vraiment cool. Je suis contente. Ensuite, on a une petite trousse. Beautiful Box by Au Féminin. Ça c'est nickel. Les petites trousses comme ça sert toujours. Noir, en plus elle est super jolie je trouve. Franchement, ça fait un peu effet. Ouais, ça fait tissu quoi. Je sais pas comment dire. Un peu tissu comme ça. Ensuite, on a de la marque Black Up. D'ailleurs, j'ai acheté du maquillage chez eux. Une ombre à paupières mat. Bon, c'est bleu comme ça peut-être que je vais la revendre. Parce que bleu comme ça, je suis pas sûre que ça m'aille vraiment. En plus, les mats, c'est pas trop mon truc. Ça, je pense que je vais la revendre sur Vinted, genre à 1 € ou quoi. Et ensuite, après, je vais devoir couper, je suis désolée. Un vaporisateur de sac, donc de Beautiful Box by Au Féminin. Du coup, je vais choisir une qui est vide. Ça, c'est cool quand même. Ouais, en fait, c'est un petit. Vaporisette. Oh, c'est sympa. Il n'y en a pas dedans. Alors, je sais pas comment on ouvre ça. Ouais, je regarderai comment on ouvre ça. Mais en tout cas, c'est super sympa parce que du coup, là, tu peux mettre ton petit parfum et avoir ça dans ton sac. C'est super cool, je trouve. Franchement, je suis contente. La petite trousse, le petit produit pour les cheveux. Franchement, nickel. Voilà, j'aime beaucoup, il y a juste le fard à paupières que je vais revendre, mais ça, bon. C'est plus la couleur, mais en tout cas, nickel. Ouais, je suis très contente. Alors ensuite, je me suis acheté pas mal de maquillage, en fait, parce que, alors, vous allez me dire, la meuf, elle change vraiment d'avis. En fait, avant, j'étais très mettre du fard à paupières, du rouge à lèvres, tout ça. Et à ne pas me maquiller le teint, et maintenant c'est totalement l'inverse en fait. Je mets quand même du mascara, du fard à paupières, un rouge à lèvres, j'en mets plus du tout, vraiment parce que ça me saoule. Voilà, mais je suis vraiment plus à me faire mon teint. Bon, là je suis totalement no make-up, mais teint, mascara et des fois du fard à paupières, et je trouve que c'est amplement suffisant. Donc je me suis acheté plein de trucs, genre voilà. Alors j'espère que toutes les teintes vont aller, du coup je suis pas sûre. La marque Black Up, pourtant je pensais que c'était une marque que pour les personnes noires. Pour les pommades à foncer. Sauf que bah, c'est une teinte quand même très claire quoi.
Écoutez, peut-être qu'ils font un peu tout. Donc voilà, une teinte. Donc ça, c'est un anti-cerne. Moi, j'utilise Orthia, ça part aussi sur les cernes. Mais aussi pour mes rougeurs ici, puis pour les boutons. Surtout que là, j'en ai pas mal parce que j'ai fait une mauvaise réaction à un masque. L'Oréal, je vous en parle, je suis dans les produits terminés qui sortiront, bah, je pense, dimanche du coup. Je pense que je vous ferai, je mettrai ça dimanche. Oh non, mercredi prochain. Dimanche, je vous mettrai une vidéo par rapport au livre. Et du coup, là, c'est moche en plus, vraiment. Mais là, je laisse un peu tranquille parce que j'ai vraiment fait une mauvaise réaction. Donc voilà, nos transferts. Ensuite, je me suis pris une poudre de la marque Revlon, poudre fixante anti-pollution. C'est la teinte 2. Je sais pas si ça ira. Le truc à Stokomani, c'est qu'il y a pas mal de maquillage, mais c'est souvent des teintes. En fait, souvent, vous avez qu'une teinte, donc il faut tomber bien. Donc, ouais, une poudre libre, parce que justement, bah, pour fixer tout ça, hein, parce que des fois, ouais, c'est un peu compliqué. Ensuite, je me suis pris un fond de teint naturel de Rimmel, pareil, Fresher Skin 010 Lait Porcelaine. Du coup, ça sera plus pour, pareil, rougeur et tout, pourquoi pas tout le teint. Du coup, j'ai pris la teinte numéro 10. Voilà, ça m'avait l'air bien. Et après, je dois couper une dernière fois, mais après, c'est tout. Et ensuite, je me suis pris une BB crème de Nivea. Par contre, ça, je le mettrai sur tout le visage. J'ai envie de le tester. Donc, c'est un teint clair FS15 dans la 24 heures. Du coup, pour la BB crème, du coup, j'ai pris une Nivea. Donc, ça, je le mettrai sur tout le visage. Bon, j'espère juste que j'ai pris teinte claire, de toute façon, il n'y avait que ça. Ouais, on verra bien. De toute façon, je ferai des petits tests et tout. Et puis, au pire, si ça va pas, j'en vendrai sur Vinted. Voilà, j'en vendrai un tout petit peu, histoire de dire. Voilà pour le maquillage. Ensuite, j'ai quand même pris un peu de soin. Tout d'abord, je me suis pris une crème visage. Parce que celle que j'ai actuellement chez Yves Rocher, je pense pas qu'elle va me faire l'hiver. Clairement pas. Vu que là, on est début novembre, mais je pense clairement que. À pas finir le mois. Du coup, pareil au niveau des crèmes visage à Action, il n'y avait rien. Ouais, d'ailleurs, en fait, je devais m'acheter une crème visage, un nettoyant visage. Aussi, dans le maquillage, je vais me prendre du blush. Rien. Enfin, j'ai pas trouvé ce qui m'allait. À Action, il n'y avait plus de nettoyant visage. Voilà. Sauf des. Et ouais, il n'y avait plus rien, sauf des trucs genre gommants. Donc moi, ma peau, ça va pas le faire. Et pareil pour les crèmes, il n'y avait que des trucs anti-âge ou alors celle à base d'escargot, mais j'ai pas voulu tenter. Voilà, et pareil chez Sokomani, en fait à la base j'avais pris un autre truc qui coûtait genre 3 balles plus cher. Et en fait, je me suis pris celle-là, donc là, 100% fraîcheur de rose, pour peau normale à mix du petit Marseillais. Voilà, on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Petit Marseillais, souvent c'est bien, au pire, c'est une réaction. On verra bien à ce moment-là. Donc voilà. Alors, je me suis enlevé une croûte, je saigne. En nettoyant le visage, j'ai pas trouvé à Action ni à Stokomani. Stokomani, il n'y avait que les Neutrogena. Parce que clairement, moi j'utilise ça. Bah, ma peau est décapée. Vraiment, donc j'ai pas. Ça, c'est ma mère. Elle a pris deux déos en spray comme ça, fraîcheur. Elle a pris vanille et fleur de tiare Tahiti, donc bon, c'est elle qui les aura, mais en soi, moi j'en ai encore un. Je crois que ça va être fleur de tiare, il me semble. Et dans tous les cas, je l'utiliserai, mais en tout cas, ils sont très bien. Voilà. Parce que pareil, au niveau des déodorants, il n'y avait pas de Dove. Voilà. Ni en spray, ni en stick, du coup, bah, moi j'ai pris un peu entre guillemets au hasard, on peut dire ça. J'ai pris un Sanex Dermo Protection 24 heures anti-transpirant. Voilà. Et j'ai pris un lot de 2 Nivea Fraîche Naturelle O2. On verra bien ce que ça donne. Écoutez, si c'est bien, si c'est pas bien. Donc voilà pour Stoco. Ensuite, donc, on va faire Action. Alors. Donc pareil, j'allais avec des objectifs précis. Au final, bah, ce que j'ai acheté, si ça allait dedans, bah, soit il me fallait un porte-monnaie parce que le mien est un complètement pété. Il est déchiré et tout, donc ça sert à rien. Donc c'était, je crois, 3,99 ou non, 2,99.
Donc j'ai pris celui-là. Bon, juste qui est un peu con, c'est qu'il n'y avait que en noir dans ces grands formats-là. Parce que moi, il me faut vraiment ça, parce que genre, même pour changer, je fous tout et n'importe quoi. Donc voilà, comme ça, je regarde mes pièces, mes billets, mes cartes. Voilà, ce sera très bien comme ça. De toute façon, l'autre, je l'avais eu à Chausséa à 13 balles et il n'a pas duré longtemps. Donc je me dis, autant payer 3 balles et que ça dure autant de temps. Hein. Ça fait quand même faire gagner presque 10 balles. Ensuite, j'ai quand même recraqué pour deux masques en tissu. Donc un au bambou, avec le petit collet dessus, comme ça, et un pour Noël, Holiday Candy, à la fraise. Ouais, c'est trop sympa, donc ça me manquait comme ça, tu m'as, donc j'essaie d'en prendre un, de me faire plaisir. Ensuite, j'ai pris un body scrub comme ça, parce que je viens de finir celui à la fraise, et là, j'ai vu celui à la banane. En fait, c'est des gommages au sucre, déjà, ça sent trop bon. Et ça gomme super bien et ça laisse un petit truc, un peu d'huile. D'accord, ça sent trop bon. Alors c'est hyper chimique, hein, forcément, mais ça c'est hyper agréable, j'aime beaucoup. Du coup, voilà, j'ai racheté celui-là parce que franchement, ils sont nickel ces gommages-là. Je vous les conseille. Ensuite, je me suis pris une palette de maquillage, ça j'avais jamais pris. Bon, si elle est un peu abîmée, c'est moi dans le transport, hein. C'est pas. Il est bien, fais gaffe. J'ai pris la Sun Vibes Nude Fab Factory. Il y en avait pas mal. C'est celle-là qui est en mode imitation Huda Beauty. Ça, surtout avec les trois là. Donc voilà, ouais, s'il y en a un peu sur les côtés, c'est moi qui était dans le coffre de la voiture. Donc voilà. Là, il donne des. Petit conseil, j'essaie d'enlever. Hop. Voilà pour les couleurs, et en fait celle-là, j'ai juste passé un peu mon dessus, et en fait c'est juste des petites paillettes comme ça. Donc ça va être nickel, franchement ça va être trop beau. Parce que du coup t'as quasiment que des trucs à paillettes, non t'as beaucoup de mat quand même. Mais franchement ça va être super sympa. J'ai trop hâte de la tester. Ensuite j'ai pris ça pour ma nièce, alors vraiment en plus c'était juste avant d'aller en caisse. C'est une brume Disney Frozen. Bi-unique en fait parce que genre c'est à paillettes et avec Olaf dessus. Regarde le truc là. Deux pour sprayer, il bug. Bon, ça sent pas spécialement très bon, mais ça marche pas. Je vais pas avoir. Tant pis. C'est pas grave. Maintenant, c'est trop tard. Et ensuite, je me suis pris ça. En fait, c'est. Ils appellent ça Makeup Light. En fait, c'est avec. Non. En fait, c'est séparé. C'est des ventouses que vous venez mettre sur le miroir. Et du coup, comme ça, moi, je vais les mettre sur mon mur dans mon bureau. Comme ça me permettra de mieux voir quand je fais mes devoirs ou quoi. Donc, il y a Cool White, Cool Warm White et Warm White. Donc, blanc froid, blanc chaud et blanc entre les deux. Voilà. Donc, ça, nickel. Je suis très contente d'avoir ça. Ensuite, on va faire Auchan. Du coup, à Auchan, j'ai enfin trouvé mon gel nettoyant pour le visage. Bon, du coup, c'est le Fresh. C'est pour peau normale à mix, purifie sans dessécher. Donc, j'ai un peu peur quand même. Mais aussi, en l'autre, c'était genre en mousse et genre flemme. Donc, du coup, j'ai pris ça. On verra bien. Et je me suis dit si j'ai pris ça parce qu'en fait, ma zone T, je vois que. Vraiment, c'est tout un peu granuleux et tout, c'est pas des boutons. Et en fait, je me suis dit que prendre un petit gommage visage pour faire juste la zone T, ça serait vraiment pas mal pour éliminer les impuretés et affiner le grain de peau avec des particules exfoliantes naturelles. Cosma, donc c'est un 75 ml pour la zone T de temps en temps. Je pense que ça fera du bien. Et ensuite, où est-il?
à là-bas. Et ensuite, à Auchan, on m'a acheté mon calendrier de l'Avent chocolat, vu que cette année, il va y avoir pas mal d'ouvertures. Bon, par contre, le chocolat, je pense pas que je vous le montrerai. Bon, bah, je pense, c'est sûr. Mais on aura pas mal d'ouvertures de calendrier de l'Avent cette année, parce qu'il y en aura 4. Voilà, dont du coup 3 que vous ne savez pas, que je vous montrerai le moment venu. J'ai fait une petite déco, tout ça, c'est sympa. du coup, voilà, on fera ça tous les jours. Petit unboxing. Du coup, la vidéo, bah, je pense, sera plus longue. Je pense peut-être que je vous en mettrai. Je pense que je ferai genre un truc semaine par semaine, ça sera mieux, parce que du coup, au sens, ça va être beaucoup trop long. Du coup, voilà, j'ai pris ça. On a dedans les bouchées et les fondants. Donc, les bouchées, on a éclat de noisette, framboise intense, caramel salé. Et les fondants, on a orange confite et noisette. Donc, il y en a 5. Et franchement, il est super beau. Voilà, c'est celui-là qui m'a tapé dans l'œil. Déjà depuis quelques temps, mais du coup. Ensuite, on va passer à la culture rare. En fait, à la base, je voulais m'acheter un beau livre, voilà, un peu un cadeau de moi à moi pour le travail que j'ai réalisé ces 2 derniers mois. Sauf que j'ai pas trouvé ce que je voulais, donc j'irai à la Fnac à ma rentrée. Mais du coup, j'ai quand même trouvé des petits trucs, bah, 3 petits trucs, si on peut dire ça. En fait, je suis tombée un peu comme par hasard sur le rayon des pierres. Comme ceci. Et il y en avait vraiment pas mal du tout. J'ai mis beaucoup de temps à me décider quoi prendre, quoi faire et un peu voir si ça me correspond plus. Donc là, c'est Larousse qui fait ça. Et en fait, on a du coup dans cette truc là, donc c'est 7,95 €. Vous avez le petit pochon, la pierre et un petit livre. Après, je vais aller les purifier après. Donc là, j'ai pris un œil de tigre véritable, agit comme bouclier pour repousser l'énergie négative, favorise l'épanouissement intérieur. Je vais vous ouvrir celui-là pour vous montrer. Du coup, hop. On a donc la petite pierre juste ici. Comme ça. Franchement, elle est super belle. Vous avez un petit livret pour vous dire un petit peu, pour vous dire des choses par rapport à la pierre. Et vous avez aussi le petit pochon pour la transporter. Voilà, si vous voulez la prendre en vacances ou quoi. Voilà, et bah, c'est tout, on sait jamais. Et ensuite, l'autre que j'ai aussi, c'est de l'olite véritable, apaisante, elle atténue le stress, stabilise le mental et les émotions, favorise le sommeil. Voilà, donc au cas où, moi j'ai déjà une quartz rose, que donc je recharge tous les jours, de temps en temps, je la purifie. Et bah, je la nettoie et je la purifie. Et donc voilà, là on a pareil. Voilà, je vous ai montré ici quand même. Ça, c'est quelque chose auquel je m'intéresse. Après, je suis pas non plus. Je suis pas une pro, donc là, et un peu gourou de ça, mais j'aime bien. Donc, ça fait pas de mal non plus. Hein, voilà. C'est un peu comme en marbre là. Il fait marbre, franchement, super joli. On va être très contente. Et ensuite, je me suis pris un petit livre que je voulais lire depuis très longtemps. C'est Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Ouais, c'est un livre de développement personnel. On verra bien si ça me plaît, si ça me plaît pas. Surtout quand j'aurai le temps de le lire, surtout. Mais voilà. J'ai entendu beaucoup parler. J'avais longtemps que j'ai envie de le lire et j'ai toujours envie de le lire. Donc voilà, j'ai fait ce petit plaisir-là. Et ensuite, on va finir avec qui a mis le tabac. Il y a une commande en ligne. Hop. Voilà. Donc, tout à l'heure, je me suis racheté 2 jeans. Parce que j'ai plus rien à mettre sur les fesses. Voilà. Parce que le jean que j'ai actuellement, c'est un jean à trous. Mais le truc, on dirait qu'il. Genre, le sortir d'une poubelle, tellement il est troué. J'en ai un autre que j'ai revendu parce qu'il ne me va pas. Clairement pas.
Et ensuite, mon autre, bah, c'est mon noir, et donc je le mets qu'une fois par mois. Du coup, je m'en suis racheté deux. Donc, un. Ah, c'est pas un même, ça, c'est un straight. Bon, c'est pas grave, voilà. Comme ça, donc avec juste le petit détail juste ici. J'ai pris deux clairs parce que c'est ceux que je préfère. Je trouve que c'est ce qui me va mieux. Voilà, parce que bah, le bleu jean, je l'aime pas trop. Et j'ai pris un autre, par contre, là c'est bien. Ouais, c'est bien un mom, mais qui est comme ça. Voilà, tout simple. Et ensuite, je me suis pris deux hauts. Tout d'abord, un pull effet velours. Donc en deux, les jeans c'est 20. Ah non, il y en a un à 20. Le mom il est à 20 € et le straight il est à 25. Ça, ce pull-là il est à 15 €. Il va du XL au 4XL, c'est en plus size à chaque fois. Et franchement, je le trouve super joli. Et en fait, voilà, il est le petit froufrou. Bon, moi j'adore ça. Je sais pas, vraiment, j'adore les petits froufrous, les petits trucs. Genre, je sais pas, j'aime bien. Voilà un petit pull. Par contre, clairement, il n'est pas non plus super super dopé. Donc en dessous, vous pouvez mettre un t-shirt à manches longues en blanc. Et ça le fait, franchement, je pense que c'est bien. Et ensuite, j'ai pris un t-shirt, donc ça sera pour cet été, ça. Un t-shirt qui était à 12 €, 13 €, pardon. Pareil, du XL au 4XL. Pareil, avec des froufrous blancs, avec les petites manches comme ça. Franchement, super mignon. C'est avec le petit effet comme ça, double. Bon, c'est un t-shirt blanc tout simple. Moi, vous savez que j'aime bien les petits t-shirts comme ça. Et ensuite, aujourd'hui, bon, je me suis acheté deux ceintures, mais elles sont tout simples, donc je n'ai pas voulu les plier. Je me suis juste trouvé un haut à moins 40, donc c'était 12 €. Il est passé à 7 € et quelques. Pareil, du XL au 4XL. En fait, je l'ai pris en 3 celui-là. Parce qu'en fait, je vais m'en servir en tant que pyjama. Donc, ouais, avec mini. Comme je dis, comme ça, moi, je serai à l'aise pour dormir. Ouais, il était mignon. Après, je l'ai pris seulement parce qu'il était à moins 41 cents. Je ne l'ai pas acheté. Et aussi, encore, je vous ai montré, j'ai reçu mon magasin Curie. D'habitude, je ne vous montre pas. D'habitude, je ne vous montre pas. Mais là, tant qu'on est là, autant vous montrer. Votre argent nous intéresse, super. Donc voilà pour ce haul qui est toujours aussi gros, hein, comme d'hab, j'avais l'habitude. En fait, ça me chagrine. Ah, wow. Mais souvent, là, un truc comme ça, ils ont. Ah oui, c'est quand même paillette, hein. Et souvent leur truc, leur spray, ça a du mal. Bref, en tout cas, moi je vous fais des bisous et du coup, je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Bisous!